Chronique de finances et de gouvernance d'entreprise par Michel Albouy aux éditions EMS Management et Société. Michel Albouy, bonjour. Bonjour. Michel Albouy, professeur de finance à Grenoble École de Management, et donc auteur de cette série de chroniques publiées dans The Conversation France, aujourd'hui transformée en ouvrage papier. Voilà, vous retombez IRL, in real life, dans le papier. Tout à fait. Ces chroniques d'abord. Il faut d'abord avoir envie d'écrire des chroniques. Quand on se dit à un professeur, il écrit des articles scientifiques, il n'écrit pas de chroniques. Alors, j'écris encore quelques articles scientifiques dans de très bonnes revues, comme la Revue Française de Gestion, mais pas que. Alors, en fait, il y a un procès que l'on fait aux professeurs de gestion, c'est qu'ils ne sont pas assez présents dans le débat sociétal. On voit beaucoup les économistes s'expriment beaucoup. Pourquoi ? Parce que généralement, ils ont des visions très macro, ils s'intéressent à l'emploi, ils s'intéressent aux problèmes de répartition des richesses, des choses comme ça. Et donc, ils ont souvent beaucoup de... Les micros se tendent vers les économistes. Beaucoup moins pour les gestionnaires, parce que les gestionnaires, finalement, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, finalement, les Français ne s'intéressent pas toujours autant que cela aux entreprises. Les Français, mais comme les hommes politiques. Donc, du coup, je me suis dit... Il y a peut-être une fenêtre de tir. J'avais commencé à publier dans Le Monde et dans Les Échos. Et puis, lorsque Conversation s'est mis en place, je me suis dit, tiens, c'est vraiment un très bon média pour pouvoir s'exprimer et faire le lien entre l'actualité et les théories que je connais. Pour libérer la parole. Pour libérer la parole, absolument. Et donc, de nombreux thèmes abordés. 7 chapitres qui regroupent des séries de chroniques. Oui. Voilà. Et en gros, deux grands moments, c'est-à-dire un moment plus pédagogique, où vous faites la pédagogie de la finance et du raisonnement financier, etc., que vous appliquez au réel, donc à l'actualité. Et puis, un volet plus critique. Voilà. Et là, vous êtes des prises de position. Alors, on va peut-être revenir sur ces thèmes abordés. Est-ce que vous pouvez succinctement... Absolument. Alors, je voudrais quand même dire que dans cet ouvrage, je n'ai pas repris toutes les chroniques que j'ai publiées dans Conversation ou dans d'autres médias. J'ai pris des chroniques qui s'organisaient effectivement autour de la finance et la gouvernance des entreprises. Voilà. Ou des organisations, parce que sur la fin, notamment dans les dérives du système, je parle d'organisations comme les collectivités locales qui ont fait pas mal de bêtises. Donc il n'y a pas que les entreprises qui font des bêtises. Il n'y a pourtant pas d'actionnaires là-dedans. Bon. Donc les thèmes, c'est quoi ? Ben, y a un thème qui m'a toujours intéressé, d'ailleurs qui avait fait l'objet d'un numéro de fin d'année de la RFG, Conseiller Finance et Management. Et donc ça s'ouvre par un chapitre, l'actionnaire et le management, deux acteurs essentiels. On oppose souvent les actionnaires d'un côté et le management. Et en général, souvent dans la littérature gestionnaire, c'est plutôt les managers que l'on monte au pinacle. Les actionnaires, on ne les aime pas trop. Et alors, comme actionnaire, on a aussi, au chapitre 2, l'État actionnaire. L'État est en France un actionnaire très présent. C'est vraiment une grande particularité du capitalisme français, cette présence de l'État actionnaire. Et cet État actionnaire n'est pas toujours loin d'être exemplaire. Voilà. Les fusions-acquisitions, il faut savoir que la France est un pays qui pratique beaucoup les fusions-acquisitions. On a toujours peur, nous, d'être racheté, mais les entreprises françaises rachètent énormément à l'étranger. Ces fusions-acquisitions ne vont pas sans, effectivement, des marchés financiers actifs. Donc, on traite un peu d'activisme actionnarial. Nouvelle forme d'entreprise qui est apparue, ces entreprises dites high-tech, avec des nouvelles problématiques. Ces entreprises sont particulières, sur beaucoup de dimensions. Alors, évidemment, on va retomber sur également un thème qui m'est cher, parce que c'est un thème que j'ai beaucoup travaillé, c'est la politique de dividendes des entreprises. Il y a à peu près 25 ans, j'ai écrit aux Presses universitaires de France un ouvrage de recherche sur la politique de dividendes dans la collection de finances des PUF. On lit toujours les mêmes bêtises sur les dividendes.
Hein. Donc coup de gueule, j'en ai un peu marre, et j'ai remis la sauce bêtises, par exemple sur les bêtises, et notamment par exemple la très belle ONG Oxfam, qui a publié un rapport à charge sur les actionnaires et sur les dividendes, qui est méthodologiquement très contestable, et en tous les cas qui ne véritablement... il est rédigé comme si finalement 30 ans de recherche sur les dividendes n'avaient jamais existé. Quoi. Voilà. Donc, évidemment, il traite aussi de gouvernance des entreprises et de sa réforme, la réforme, hein, avec notamment la loi Pacte et les entreprises à mission. Voilà. Donc, avec notamment. Vous avez un regard critique sur cette question. Un regard critique, absolument. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Ouais. Je ne suis pas contre ces évolutions-là. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ça ne changera pas grand-chose, de mon point de vue. Et je pourrais expliquer pourquoi, si vous le voulez. Et puis, je termine quand même parce qu'on ne peut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Il y a des dérives du système. Le système dérive, et c'est normal, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc j'attaque un certain nombre de dérives du système et des acteurs, parce que ce système, il est aussi, manœuvré par des acteurs qui manœuvrent parfois pas toujours très bien. Voilà. La tonalité générale, c'est la défense de l'actionnaire, pour faire simple. Alors, voilà. Pas la défense de l'actionnaire au sens... Vous êtes pro-financiarisation. La défense de l'actionnaire, au sens, l'actionnaire, c'est un investisseur, il met ses économies, il met son épargne, et il faut protéger son intérêt. Si je résume comme absolument. Ça, c'est... moi, j'ai pris... Ça fait longtemps, hein. Alors, c'est un peu difficile d'être professeur de finance d'entreprise, et puis, finalement, de ne pas s'intéresser aux actionnaires, quoi. On a besoin des actionnaires en France. On n'en a pas assez. Tout le monde est d'accord pour taper dessus. Et effectivement, du coup, on a des montants investis en actions dans les entreprises qui est très faible en France. 50% du capital du CAC 40 est détenu par des mains étrangères. Voilà. Donc, on a très belles entreprises comme du CAC 40 françaises, mais sont-elles encore vraiment françaises avec tout cela? Donc, on a besoin des actionnaires parce que l'actionnaire, il assume une fonction de risque. Et ce n'est pas aux créanciers financiers, aux banquiers à prendre le risque industriel. C'est aux actionnaires. Donc on a besoin d'actionnaires. Les actionnaires ont un rôle particulier. Ce n'est pas une partie prenante comme toutes les autres. C'est la seule partie qui ne contractualise pas avec l'entreprise. C'est le créancier résiduel. Alors évidemment, c'est de la théorie de l'agence. Pour moi, c'est quand même, de fait, une vraie réalité. D'autres parties prenantes sont en situation de risque dans les entreprises, des salariés. Mais le capital humain, une entreprise d'informatique ferme, les ingénieurs informaticiens en question peuvent aller ailleurs. Ils ne perdent pas forcément leur capital. L'aversion au risque en France pour le capital, pour l'investissement en actions, vient de cette réalité qu'effectivement, il y a du risque à investir en actions. Et je trouve qu'en France, on a des gens qui vous... capable d'écrire, donc il y a une chronique justement où je reprends certains économistes qui vont dire « j'aime l'entreprise, mais pas les actionnaires ». Peut-on aimer les entreprises sans aimer les actionnaires? La question est là. Parce que c'est un peu difficile d'avoir des entreprises privées sans actionnaires. Est-ce que ça voudrait dire que critiquer les actionnaires, ce serait le nouveau populisme, quelque part? Parce que il me semble qu'on a un ancien candidat qui nous a dit « mon ennemi, c'est la finance ». L'actuel président apparaît pas très loin de cette ligne dans ses derniers propos. Oui. Est-ce que c'est une forme de populisme? De défendre les actionnaires? Non, d'être contre. Non, est-ce que ce n'est pas pratique? Non, je crois qu'en France, on a une tradition académique, universitaire, qui est quand même peu tournée vers la réalité des marchés financiers. Et c'est vrai que tous les collègues de la Société française de finance ont ramené des États-Unis la théorie financière, ses travaux en France, mais... ce n'est pas un pays très converti, je dirais, au libéralisme économique. Ouais. Il y a toujours quand même un très grand substrat, et ce n'est pas du tout du populisme. Je pense que c'est vraiment ancré dans la société française d'une vision pro-étatique. Enfin on fait beaucoup confiance à l'État, même si après on le dénigre, hein, comme la Cour des comptes le fait régulièrement dans ses choix d'investissement. Et on fait peu confiance aux entrepreneurs en France. Alors ça change, mais très doucement.
j'ouvre une page au hasard, des collaborateurs complices, traité du cas Volkswagen. Et on a parlé de l'entreprise à mission, vous êtes aussi la cogestion, vous nous dites, c'est la démonstration quand même que, attention. Oui, là effectivement c'est vrai qu'on le prend toujours comme modèle. Bien sûr, surtout tous les rapports qui ont été faits en France, de Sudro et puis de la suite sur la réforme de l'entreprise. Volkswagen ou les limites de la cogestion à l'allemande, oui bien sûr. Le cas Volkswagen, qui a vraiment été bien, qui est vraiment un cas énorme, je dirais, de mensonges industriels, malgré cette co-gestion, malgré cette co-détermination dans les entreprises, Volkswagen a fait plus mal que Renault, ou Peugeot. Donc, et ça a rendu d'ailleurs ses salariés très très malheureux. Il y avait une terreur dans cette entreprise qui était installée malgré la co-gestion. Donc, voyez-vous, je suis assez pragmatique. Je ne crois pas aux recettes miracles. Je ne crois pas du tout que la co-gestion, ça peut très bien fonctionner, c'est parfait, mais ça peut aussi disjoncter, on l'a vu. Pareil pour l'entreprise à mission, ce n'est pas forcément mauvais, mais je pense que les fondamentaux de la réalité de l'entreprise sont toujours là, à savoir qu'une entreprise, ça doit servir ses clients, trouver des clients, voilà, et donc rémunérer évidemment ses bailleurs de fonds, et que la contrainte économique, de cette façon, sur l'entreprise, est tellement forte, et surtout aujourd'hui, que tout cela, parfois, ça peut être un petit peu du second ordre, de mon point de vue. Vous avez une très jolie formule qui est que finalement, d'ailleurs, ça n'a pas fait chuter les ventes ni d'Audi, ni de Volkswagen, etc. Et donc, quand même... Absolument. C'est quand même incroyable. Vous avez une entreprise qui ment effrontément, mais évidemment, les financiers, eux, on surréagit à la baisse terriblement en disant « Oh là là, ça va aller très très mal pour eux ». Et puis en fait, moi j'en parlais avec des collègues de marketing. Les collègues de marketing me disent « Non, tu verras, les marques sont très puissantes. Les gens vont toujours acheter des Audi, des 4x4, des Porsche, Cayman et autres. » Et c'est plus important que le devenir de la planète, c'est ce que vous dites. C'est plus important que de sauver la planète. et les financiers, d'ailleurs, après, le cours de bourse de Volkswagen a remonté une fois qu'effectivement, ils ont été rassurés. Il y a les graphiques dans l'ouvrage. Chronique de finance et de gouvernance d'entreprise, Michel Albouy, aux éditions EMS Management et Société. Merci Michel. Merci Jean-Philippe.